Et salut à tous, c'est Mugi Mehdi et du coup on est parti pour le nouveau let's play de One Piece Burning Wheel. Voilà, donc du coup j'ai perdu toutes mes facecams, mes enregistrements. Donc je vais commenter la vidéo comme ça par-dessus. Donc j'affrontais Magellan dans cette vidéo-là. Et du coup, heureusement, vu la team que j'avais, ça a été facile d'affronter Magellan grâce à un certain personnage, vous verrez bien, qui est vraiment, vraiment génial. Et puis franchement, là où j'en suis exactement aujourd'hui, j'en suis à Marineford. J'ai pas dépassé Marineford et vous verrez. Franchement, Marineford, tout allait bien jusqu'à un certain aussi personnage. J'aime bien faire du teasing parce que là, c'est vraiment ouf ce qui se passe ensuite. Les boss sont de plus en plus énervés parce qu'ils ont été dopés. Donc, on est par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on est bloqué au level 100. Et ça, j'aurais bien voulu, mais alors j'aurais bien voulu que ça monte au niveau 120, histoire de, voilà, quoi, de faire quand même la diff avec certains boss. Parce que vu que les boss sont au niveau 100, je suis au niveau 100. Après là, c'est une question d'équipement. C'est une question comment dire? Vous savez, les cailloux, pas les cailloux, mais les sphères, quoi, augmenter les équipements aussi. Donc il y a certaines sphères qu'on peut augmenter. Et il y a aussi les parchemins pour augmenter les personnages. Donc ça aussi, tout est une question d'équipement, de skill, de trucs. C'est fatigant au bout d'un moment, mais bon. Espérons qu'ils vont augmenter le niveau 120. Là, ils ont rajouté Chabody, non, là, ils ont rajouté l'île des hommes poissons, ce qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé l'île des hommes poissons, là. Quand j'ai visité, hein, simplement visité, je ne suis pas dans le mode histoire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont bien retranscrit bah, tout, quoi. Ils ont tout bien fait. Quand on fait les missions en ligne, on tombe sur Roddy Jones, c'est plutôt pas mal. Ça espère que du bon. Bon, là, il y a Luffy qui est disponible. Luffy qui est disponible, c'est ouf. Mais j'arrive pas à l'avoir. J'ai lâché 80 tickets. 80 tickets et je l'ai toujours pas. Là, ça fait 80 avec aujourd'hui. Franchement, c'est dingue. J'ai jamais vu un. J'ai jamais été autant poissard que ça. 81 tickets et 20, non, 34 bronzes. 80 tickets or et 34 bronzes. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Ça me l'avait jamais fait. D'habitude, au bout de 30, 40 max. 30, 40 max. Mais là, 80. 80, ils ont fait exprès. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon. Voilà, bah là, Magellan. Magellan. Aïe, aïe, aïe. El Magellanto. Franchement, voilà, j'aurais pas eu barbe blanche. Je pense pas que je serais passé, c'est sûr. Mais grâce à barbe blanche, c'est un peu plus facile, Impel Down. Franchement, j'ai galéré à Impel Down. C'est un truc de fou, hein. Pourtant, j'ai une bonne équipe. Hein. Mais j'ai galéré. Sur deux persos, j'ai galéré. Et surtout un. Je m'avais fatigué. Je fais encore du teasing. Et bah, l'eau, c'était bien sorti, moi, je me souviens maintenant. L'eau, franchement, grâce à l'eau, franchement, j'ai pu passer des situations, elles étaient ouf. Et Ace aussi, Ace avec level 100, mais c'est du pain béni, Ace. Ah ouais, je m'étais pas mal en sortie. Hein. Voilà, grâce à la technique de barbe blanche, cette technique-là, là. Celle-ci elle stunt, mais à Marineford elle marche plus. À Marineford elle marche plus du tout. Là, franchement, j'ai eu du bol, mais de ouf. Et ouais, ça c'est Shanks. Mon petit Shanks, celui qui m'aide, celui qui me fait pas galérer. Bon voilà, je vais pas tout commenter. Je pense qu'après Magellan, je m'arrêterai de commenter et puis le reste, ça sera en let's play tout simplement. Donc je voulais vous dire qu'il y a d'autres épisodes qui arriveront, ça c'est sûr et certain. Après, j'espère que ça va vous plaire. Parce que du coup, il y a peut-être des gens qui ont déjà fait tout votre scénario. Donc, ils ont peut-être une meilleure équipe que moi.
Sachant que il y a des personnages en fait de base qui sont inclus directement dans le jeu, les SSR, pas les premiums mais les SSR qui étaient fournis dès le début. Et bah mine de rien, quand tu vois Kizaru je l'ai, et bah, j'aurais dû le monter en fait à 8 étoiles parce qu'il est vraiment ouf. Et je l'ai monté 8 étoiles parce que je suis fan, mais là j'aurais dû aussi monter Kizaru. Bon, manque plus que mon Shanks 8 étoiles et mon Barbu j'ai 8 étoiles. Ça fait toute la différence. Donc là, il n'est pas 8 étoiles à ce moment-là, mais il est 8 étoiles ensuite. Et j'ai galéré pour le monter. Donc voilà. Après ce combat. En tout cas, c'était génial. Ce combat, je l'ai. Même s'il dormait tout le temps en Magellan, j'ai kiffé ce combat. Franchement, c'était ouf. J'ai trop aimé. Parce que Magellan, c'est un de mes personnages favoris en fait. Hein. Parce que le mec est 10 fois plus fort qu'un amiral. C'est un truc de malade. Pour moi, enfin, 10 fois plus fort, j'abuse, mais son fruit démon, il est overcheaté. Quand tu vois ce qu'il peut faire, peut te contaminer n'importe quelle personne, même si t'es un Logar. Hein. Il suffit que t'aies une tache, c'est bon. Une tache de poison, une bulle, ou il peut tout faire, il peut te stun, il peut t'empoisonner, et en plus, il a de la patate. Franchement, extraordinaire. En plus, son Hydra, qu'est-ce que je l'aime, son Hydra. Et le Venom Demon, j'en parle même pas. Ah oui, après, ah voilà, ça c'était la barrière, j'ai pas compris ce que c'était. Mais alors, pas du tout, je sais pas d'où elle est sortie. Je me suis dit, ah ouais, il va nous faire une Marigold là, truc, et au final, c'était deux tours. Heureusement que j'avais stunt avec deux tours. Parce que là, je crois que je serais mort. Hein. Je crois que je serais mort pour de vrai là. Voilà, je l'ai déplacé, j'avais pas ça à la grande chose. Plutôt pas mal cette technique, j'aime bien. Elle m'a sauvé aussi de certaines situations. Mon petit ace. Mon petit ace. Voilà, c'est pour ça que je veux qu'il monte niveau 120. Parce que s'il le monte niveau 120, mais. In the place. Oh, ça rime en plus. Lui, je le kiffe par-dessus. Voilà, je crois que j'avais pas fait la technique. Ah ouais, j'avais pas fait la technique pour pas. Ça sert à rien quoi. Au niveau du bouclier. Il dure combien de temps son bouclier? Je crois qu'il durait 2 tours son bouclier si je me souviens bien. Moi, je suis au 4e tour là. Et je crois que. En fait, je faisais que attaquer comme ça. En fait, ça servait à rien quoi. Attaquer comme ça. Ça veut dire. Et je les stunt encore. Ah ouais, mais alors là, je le kiffe. François, il est où ce gars? Et hop, fais dodo. Et voilà. Et voilà. Et là, je crois que c'est mon ace qui va le tuer. Du moins, j'espère. Non, même pas. Même pas, même pas. Oh, il est résistant. Même il avait que ça de vie. Le mec, il résistait de ouf. Oh, imaginons, c'est un monstre en fait. On avait beau lui faire des techniques. Bon, avec les équipes qu'il y a maintenant, c'est sûr que tu peux battre tranquille, mais. Là, c'était quand même un monstre pour l'époque. Est-ce que je l'ai tué avec Shanks? Je m'en souviens même plus si je l'avais tué avec Shanks. Ah non, je l'ai même pas tué avec Shanks, c'est incroyable. Ah ouais, je l'ai même pas tué avec Shanks. C'est qui il a tué? Ah ouais, mais sa vie. Ah mais ouais, c'est un monstre. Sa vie, elle reste. Elle reste en place malgré qu'il a que ça comme vie. Voilà, bonne chance à tous ceux qui vont l'affronter, hein, franchement. En fait, au final, franchement, il est ouf, hein. En fait, Magellan, il est vraiment dingue comme boss. Parce que moi, j'avais de la facilité avec Barbe Blanche, mais pour ceux qui n'ont pas Barbe Blanche. Waouh! En fait, quand j'y pense, ça va être abusé. C'est qui l'a tué, bordel? Barbe Blanche? Qui a tué Magellan? Non. Ah, c'est Ace. Ok, bah c'était Ace qui avait tué Magellan. Ce délire. Et ben voilà.
Ah ouais, c'est vrai qu'il avait la deuxième forme. Ah ouais, c'est là où il y a le... Ah ouais, non mais là par contre, on est obligé, mais obligé de mourir. Et là, ça va faire très très mal. Mais le pire, c'est... Si je me souviens bien, ouais, il m'est arrivé une action. Ah, ici, elle était trop drôle, franchement. Et c'est là que tu vois la puissance d'Ayanku. Franchement, bon... Bah, merde, pardon. Et Madame Barbe Blanche, vous allez voir que Barbe Blanche, au final, le vrai Yonko, il est tout derrière. Il est super dangereux. Même si Barbe Blanche, pour moi, c'est bon. C'est le soleil. Non, Barbe Blanche, c'est une tuerie atomique. Ah ouais, mais en plus, je l'ai fait dormir. Ah ouais, mais je l'avais fait dormir. En fait, ça servait à quoi de le faire dormir ici? Parce que s'il attaquait... En fait, j'ai retardé la mort. Ouais, deux tours comme ça. Ouais, je pense que c'est cher drôle. Ça servait à rien. Moi, je voulais le tuer. Et là, si je l'aurais tué, mais là, je me serais appelé The Boss. The Big Boss. Mon petit lot. Énervé. Takanome. Oui. Un autre t'es mieux. Trop la dire ça. C'est la seule phrase que je connais. Bon, quand il va se réveiller, je pense que ça va pas être la même. Moi, je pensais que là, qu'il fallait le tuer en fait une deuxième fois. Et non, en fait, pas du tout. Il fallait simplement se laisser aller vers la mort. Parce que regardez les dégâts. Il a fait 68, Barbe Blanche. Il a fait 68. Et au final, je me disais, je me posais la question, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, je me souviens maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi ça sert? Au final, j'ai quand même appuyé pour me dire, allez, on va tester encore pour voir tuer, mais là. Et là, quand il va se réveiller, et là, c'est un autre level, une autre dimension. Vous allez voir les dégâts, je m'en souviens maintenant. Vous allez voir les dégâts. Oh, les dégâts, ils faisaient flipper les dégâts. Allez, lève-toi. Injection. Me dis pas que je l'ai endormi encore avec Barbe Blanche, pas possible. Je lui ai enlevé pas mal de dégâts de ouf, hein, la deuxième fois. Ah mais tous mes persos ils sont à 1 de PV. Il s'est passé quoi là? 920. C'est quoi ces dégâts? Ah ouais non c'est bon, je l'ai pas endormi. Bon bah là c'est à son tour après. Hein. Aïe aïe aïe, hey, c'est après, c'est bon. Voilà, c'est incroyable ce que j'ai fait. Ouais, là c'était Ace, et là c'est à son tour. Et là, aux choses sérieuses. Oh my god. Ça, c'est un mot. Regardez les dégâts. Oh my god. Et regardez, il y a qui reste debout? Un Yonku qui s'appelle Shanks. Oh, Kagami. Oh, j'ai même l'audace de lui faire la technique spéciale encore. Oh là là, quelle audace. Et zou. Et voilà.
Et pour me finir encore une Ah, c'est épique. Magellan qui me fait deux fois Venom Demon, c'est épique. Bim! Et coup critique en plus. Ah là là, c'était game over. Ah, c'était dingue, c'était dingue. Bon, voilà. Donc, Magellan, c'était un bon souvenir. Là, c'est Luffy qui va sacrifier ses deux bras normalement. Ah, ils ont pas montré. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient pas montré la cinématique où il sacrifie ses deux bras. C'est un monstre, gars. Et voilà, ça c'était Magellan. Donc pour le reste, hein, il va rester Hannibal. Je vais vous laisser. C'était un excellent combat. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire de ce que vous avez pensé de ce petit let's play où j'ai perdu toutes mes données. Je suis bien dégueu hein, quand même, hein, parce que c'était pas mal les réactions que j'avais. Mais bon, au final, voilà. Ah, mon petit bon Clay. Mon petit bon Clay, ça m'a. Bon Clay, ça m'a. Le meilleur bon Chan. Bon Chan. Voilà les gars, c'était Mugi Midi sur The Unique Show. Et c'était un let's play de One Piece Burning Wheel level 4 avec Magellan. A bientôt les amis.受けてみろ。相手を知ってやる。受けてみろ。この戦争を終わらせに来た。
que tu m'y vas. Injection shot! この戦争を終わらせに来た。必要なら呼べ。誰の首でも取ってやります。 受けてみろ。Dはまた必ず嵐を呼ぶ。 受けてみろ。相手をしてやる。受けてみろ。この戦争を終わらせに来た。 最強の座にて貴様を待つ。